Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue à Convivial Poursuite, aujourd'hui de la bande dessinée avec le scénariste Jean Dufaux du théâtre, avec Thierry Ouassé, je cite la chanson, avec Melangalia et puis un gros plan sur quelqu'un qu'on ne présente plus, Pierre Rapsat. Pierre Rapsat,
et Didier Desserts. Messieurs, bonjour. Alors, je disais, bon, on ne présente plus, on ne présente plus. On peut quand même rappeler quelques hauts faits d'armes. Par exemple, Forêt Nationale, qui était remplie, un guichet fermé. Il n'y a pas beaucoup d'artistes francophones belges qui l'ont fait. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je ne sais pas. Pas sûr, hein, pas sûr. On doit déjà réfléchir. Et puis aussi, on rappelle quand même que tu es déjà ton 16e album. Ça, c'est, on ne fait pas ça par chance non plus. Ceci dit, il y a peut-être une chance quand même. C'est en 97, la rencontre que tu as faite avec un certain Didier Desserts. Alors Didier Desserts, on rappelle quand même son parcours, c'est celui qui, avec un certain Danny Dupont, avait présidé aux destinées d'un groupe qui s'appelait Loupe de Loupe. C'est les années 80, oui, des tubes, une place dans le top 50 en France et tout. Hein. C'est ça, oui, en 86, un nous avons signé à Paris, et on a fait quelques singles là-bas pendant 3-4 ans. Voilà, alors une rencontre qui s'était déjà faite. Ce n'est pas de la chance, j'ai eu du flair. Ah, voilà, un homme qui a du nez. Non, alors ceci dit, vous vous étiez déjà rencontré avant. Je pense, Didier, oui, que toi, tu avais déjà vu Pierre en concert. Ah oui, oui, oui. Et t'avais reçu une claque. Oui, oui. Mais alors, j'étais au moins comme ça. Oui. Et ça, je pense que c'était en 77. Tu n'as pas beaucoup changé, hein, depuis. Non, non. Merci, Pierre. Merci. Non plus, d'ailleurs. Je pense que c'était en 77 ou 78. Oui. Alors, en 97, vraiment, vous avez bossé ensemble dans un concert qui s'appelait Pierre Apsat, seul sur scène, trois petits points, enfin presque. Seul en scène, enfin presque, oui. Voilà, mais c'était lui. On s'était tout à fait, enfin lui. Presque, c'était lui. Il jouait à la fois des claviers, des percussions, de la basse et de la guitare, quoi. Voilà, l'homme orchestre, le Rémi Brica de Pierre Psat. Si on... Oui. Non, mais c'est vrai, j'ai toujours aimé Pierre, et puis c'était l'occasion pour moi vraiment de m'investir beaucoup dans un projet qui vraiment m'a séduit dès le départ, parce que je me souviens, Pierre m'a invité là, chez lui, là, à la maison, il m'a fait écouter... deux chansons avec une guitare, parce qu'il n'enregistre rien, lui il joue tout en live, hein, même les compos, alors il jouait avec sa guitare, il chantait des ébauches de nouvelles chansons, et je me suis dit, ah, là, ça m'interpelle. Ça pourrait faire un tube. Pardon ? Ça pourrait faire un tube. Alors ouais. Pierre, ceci dit, si tu n'avais pas rencontré Didier, est-ce que tu aurais quand même fait cet album ? Mais oui, j'aurais fait cet album, peut-être qu'il y aurait eu un autre choix de chanson et il aurait sonné différemment. Mais ce que je crois surtout, c'est que un, dans la musique, il y a des rencontres, il y a des gens qui sont faits pour faire de la musique ensemble, comme il y a des gens qui sont faits pour faire du cinéma ou des théâtres ensemble. Et moi, ce que je cherchais, c'était une complicité. C'est un terme qui est revenu très souvent. Et je pense effectivement que nous sommes devenus très rapidement complices. D'ailleurs, la première fois que l'on s'est vu, je me rappelle que je lui avais dit, je ne cherche pas un brillant musicien, je cherche d'abord un complice, quelqu'un qui me comprenne. Et lui, il n'a pas fallu lui faire un dessin. Je veux dire que sa plus grande réussite, à mon avis, par le fait que pour moi c'est un brillant musicien et un excellent arrangeur, producteur, c'est d'abord quelqu'un qui m'a bien senti, qui m'a bien compris. Et à partir de là, tout a été simple en fait. Et je pense que notre objectif commun, il n'y a eu aucun problème d'ego. On a fait tout ce qui nous passait par la tête, on a essayé tout ce qu'on en avait envie d'essayer, on s'est complètement libéré, et surtout ce qu'on a voulu faire, c'était faire vivre les chansons. Mais parfois on peut travailler avec des gens qui conçoivent cette chanson d'une certaine façon, et puis moi autrement. Alors il faut des compromis, des consensus, ça n'a pas été le cas du tout ici, il y avait vraiment une osmose parfaite entre nous deux. Voilà. Bien, Didier, pas de projet de chanson seule ? Moi personnellement ouais. Ah non, non, non. Non, donc comme ceci, tu es bien, tu te sens bien. Oui, oui, voilà, j'aime me mettre au service des autres. Bien. Proposer des arrangements et travailler sur les chansons des autres. Je crois que c'est. Merci Didier, on te retrouve tout ouais. à l'heure avec tout le band de Pierre Apsat. Pierre, 1984, tu te souviens, tu as sorti un album qui avait un titre un peu particulier. Tu te rappelles ? Ligne claire. Voilà, Ligne claire, ça faisait référence à la bande dessinée. Tout à fait. À Hergé. C'était une façon pour moi, disons, de rendre hommage à tous ces gens qui avaient fait un peu le tour du monde avec leur dessin, leur travail. Et je trouvais que c'était une façon très élégante de dire « je suis belge » en appelant mon album « Ligne claire ». D'autant plus que je ne connaissais pas ce terme, cette expression. C'est un Français qui me l'avait appris quelques années auparavant. C'était un terme qui m'était resté. Et voilà. Ça veut dire que le contour des personnages dessinés est en fait très net. Oui. Et qu'il y a une grosse différence entre les couleurs des bras, par exemple, et puis les couleurs du décor. C'est ça, la ligne claire. En gros, bien sûr. Oui, oui, oui. On va peut-être demander à un expert en la matière, puisqu'on a le plaisir de recevoir celui qui, avec Renaud, nous fait vivre les aventures de Jessica Blandy depuis 1987. Mesdames, messieurs, je vous propose d'accueillir Jean Dufaux.
Jean, merci d'être des nôtres. Rapidement, la ligne claire, c'est ça ou il manque quelque chose? Non, je crois qu'on est dans un domaine où il y a une ligne claire, il y a une ligne brouillée, une ligne cassée, une ligne obscure. Je crois qu'il y a toutes les lignes. Ouais, et Jessica Blandy, c'est quoi? Ah, c'est une ligne qui se veut claire au départ. On peut la lire comme une ligne claire, mais je crois qu'elle est très brouillée et qu'elle est très obscure. Alors, tu as c'est lu... une fille aussi, hein, je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Petit détail. Ce qui ne gâche rien. Ce qui ne gâche rien. Alors, Jean Dufaux est probablement l'un des scénaristes les plus prolifiques de notre bande dessinée. Je pense que ça fait combien d'albums? Une centaine en 12-13 ans? Non, là, je vais fêter effectivement mon 100e album. C'est absolument incroyable. En 12-13 ans. C'est incroyable. Non, je ne pense pas. Je crois que, comme beaucoup d'artistes, si on laisse 4-5 jours sans papier, sans crayon, ça fonctionne de toute façon tout seul, là, à l'intérieur. Et donc, j'ai besoin d'écrire. Et j'ai une chance dans la vie, parce qu'on parlait de chance tout à l'heure. Il y a tout de même aussi des chances qui épaulent une carrière. J'ai la chance de ne jamais avoir eu le moindre problème de page blanche. Donc, je m'installe derrière ma machine et ça fonctionne tout seul. Ça fonctionne à l'émotion et ça fonctionne à la rencontre et à la sympathie. Parce que moi aussi, je travaille en équipe et j'ai besoin de rencontres et de sympathie. Tu as vu Jessica Blandy, qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait. Mais c'est curieux parce que, en fait, c'est vrai qu'on a un peu papoté là, après la répétition, aussi bien avec toi qu'avec lui. Et moi, quand j'avais lu cette bande dessinée, c'est vrai qu'il y a un côté cinéma quoi, qui est vraiment intéressant. La façon de construire, d'abord le récit est très fouillé. Il y a vraiment toute une intrigue, et la façon dont les dessins sont mis en page, selon les circonstances, les séquences, les scènes, etc. C'est vrai qu'on lit cette bande dessinée comme on peut regarder un film, et ça ne m'étonne pas du tout que vous ayez de bons contacts avec le cinéma. Et je pense effectivement que certaines de vos bandes dessinées pourraient faire un excellent film. Parce que, à mon avis, vous avez déjà fait le gros du travail, là. C'est-à-dire, effectivement, ce sont des cousins. Je pense que la bande dessinée, le cinéma, c'est du montage, c'est du découpage. Donc il faut couper, ça on apprend effectivement. J'ai eu la chance de faire l'Institut des arts de diffusion. J'ai eu 4 années de montage et de mise en scène. Et je me souviens, tous les vendredis après-midi, on étudiait un film plan par plan. Alors dans un plan, effectivement, de bande dessinée, je vois très bien où se trouve la caméra. Et ça fonctionne. Le seul problème avec le cinéma, c'est lorsque vous entamez un travail cinématographique, la part créative dont vous parlez si bien, parce qu'on sent que vous aimez ça aussi, diminue. Et la part financière de production augmente considérablement. La part de plaisir diminue et la part de tracas financiers augmente. C'est ça le cinéma aussi, c'est avoir un projet fabuleux, avoir envie de l'écrire, et puis boum, ça met 3 ans pour le produire. Et ces 3 années-là sont parfois très dures. Ça peut être 3, 4, 5 ans, ça peut être 6 mois, effectivement aussi. On va revenir à cette comparaison cinéma-BD dans un instant, mais attachons-nous au basque de Jessica Blandy. Alors, en gros, c'est quoi? C'est une héroïne moderne, plutôt américaine? Oui, d'abord, c'est un salut aux lectures de polar, au cinéma américain des années 40-50. Pas tellement les séries télévisées, car je n'en vois pas beaucoup, finalement. Et puis, c'est une héroïne, effectivement. Donc, on s'est attaché, en fait, à traduire une femme qui se bat dans un monde d'hommes. Donc, non seulement elle se bat contre des événements extérieurs, les événements que l'on peut rencontrer dans un polar, mais elle se bat aussi contre ses propres fragilités, contre ses propres doutes. C'est qu'on fait parfois un personnage, effectivement, assez noir, parce qu'elle peut être à la fois très forte, est très fragile, je pense, comme nous tous dans la vie. Donc j'espère que c'est vraiment un personnage de chair, c'est quelqu'un qu'on peut sentir, c'est quelqu'un qui peut se tromper, et c'est surtout quelqu'un qui, d'album en album, promène avec elle des fractures, des fêlures, des cicatrices. Alors une toute dernière chose, Jean Dufaux, on en parlait tout à l'heure, la bande dessinée a un rapport avec le cinéma, ne fût-ce que par le positionnement que prend le dessinateur avec les plongées, les contre-plongées, les zooms, et puis aussi les flashbacks. Alors, c'est vrai que la Belgique se caractérise par plusieurs écoles de la bande dessinée. On est très fort en bande dessinée. Par contre, en cinéma, je ne dis pas qu'on n'est pas fort, mais on ne peut pas faire beaucoup de films pour des raisons économiques. Alors, je vais vous demander, mais c'est un peu une boutade, encore que ça va peut-être plus loin que la boutade. Est-ce que la bande dessinée, à votre avis, est bien développée en Belgique parce que, justement, on n'a pas les moyens de faire du cinéma? Non, je crois que le Belge a un art, l'art du fantastique. On a un art du fantastique, du surréalisme, d'ailleurs très bien développé en Belgique. Et c'est vrai que l'image est très importante. La France, de toute façon un pays plus cartésien, c'est aussi un pays de mots, de textes. Et c'est moins un pays d'image que la Belgique. Ce n'est donc pas un hasard si la bande dessinée est aussi née en Belgique. Économiquement, il faut l'avouer, la France a avalé pas mal de maisons belges et de circuits belges, si je puis dire, mais la part créative et la force créative belge en bande dessinée reste très puissante.
Il faut aussi savoir qu'économiquement, je dirais que quelques auteurs de bande dessinée, quelques albums de bande dessinée tiennent le haut du pavé et sont parmi les ventes les plus fortes en bande dessinée. Donc là, on peut s'estimer assez heureux. C'est peut-être, jusqu'à présent, j'en parlais un petit peu avec Pierre Habstadt avant l'émission, le seul art, si je puis dire, populaire, où l'on peut se débrouiller à partir de la Belgique sans automatiquement passer par Paris. Je crois que c'est assez rare. Je crois qu'au niveau cinématographique, théâtral, c'est très difficile. Et Pierre Habstadt était justement cet exemple d'artiste qui tout de même a ses racines profondes en Belgique et qui a toujours vécu sur ses racines sans passer immanquablement par le grand tour parisien et français. Donc c'est le Tintin de la chanson. Je suis une des exceptions qui confirme la règle. En fait. Merci Jean Dufaux, merci Pierre Habstadt. Maintenant, je vous propose justement de tourner notre caméra et de faire un gros plan sur un fruit ovoïde que tout le monde aime bien, c'est le melon. L'occasion de vous faire remarquer que ce charmant et sympathique cucurbitacé sert aussi de nom à un groupe qui a peut-être un point commun avec le melon, c'est la musique. La musique, comme la chair du melon, est savoureuse, elle est très très rafraîchissante, elle est aussi un peu sucrée. Voici Melon Gallia. Bien excitant. Non, mais ça me permet. De quoi? Ah bon? Vous semblez me regarder discrètement de côté. C'est pour m'intimider. C'est à vous d'interpréter. Mais enfin, c'est pour t'en plaire. Me trouvez-vous séduisant? Y'a mon copain qui m'attend. Le message est bien passé. Je trouve que c'est mieux. Pas sûr. Sans doute. Je ne retrouverai plus l'occasion de me taire et ma langue fourchue de ne pas vous déplaire. Encore un dernier verre, je vais manquer d'ardeur. Ce fut un mot de trop, une phrase trop longue qui se perd en son. Fait passer pour un con pour de très bonnes raisons, mais sur un autre ton. Commence à se faire tard. Et puis vous avez trop faim. Non, pas vraiment. Alors restez. Maintenant je n'y vois plus très clair. C'est tout l'effet que je vous fais. Bien plus que ça n'en a l'air. Souriez, vous êtes fumé. Mais qu'est-ce que vous racontez? La même chose qu'hier. Je pense qu'on a assez joué. Si peu je continuais à me raconter des histoires. Vous finirez par. Certainement pas. C'est tout. On n'y reprendra plus à faire preuve de manière pour me retrouver déçu avec un goût amer qui sera mal perçu dans le prochain quart d'heure. Non, je ne retrouverai plus l'occasion de me taire et ma langue fourchue de ne pas vous déplaire. Encore un dernier verre, je vais manquer d'ardeur. Ba-da-da-da-da-da.
vous allez par quatre chemins. On prend des détours sans coup férir. Ça nous fait rien de ne pas savoir à qui l'on parle. Qui fait quoi, qui devance qui. Pour aller où qu'on aille, on se retrouve coincé. Entre un sourire facile, une bouche déconcertée, comment savoir ce qu'il nous faut. On ne vit que l'ébauche d'un essai, mais comment faire de ce baiser. Quels sont ces carrés d'atmosphère où tout se dit sans retenue, où tout se fait avec manière. Quand les serments les plus forts ne sont que paille au feu des sens, quand les absents ont tous les torts. Il n'est déjà plus temps de penser à quoi que ce soit d'autre qu'à ce moment qu'on est en train de consommer. Qui a intérêt à s'éterniser s'il ne veut pas se faire rattraper par un autre souvenir tendre. Une autre occasion de se rendre compte qu'on ne maîtrise rien à faire, c'est plus fort que nous. Et ça s'est plutôt bien passé, mais comment faire de ce baiser? Se fait avec manière. Quand les serments les plus forts ne sont que paille au feu des sens, quand les absents ont tous les torts. Eh bien voilà, il s'appelle donc Melon Gallia, un groupe comme tu les aimes, Pierre. Oui. Bon, d'abord parce qu'il y a un univers bien à eux, une personnalité, une musicalité, une ambiance, une atmosphère. Voilà, c'est entier, ça fait un tout, et c'est plein de charme en plus. Voilà. Et rafraîchissant. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors l'histoire commence, je pense, en 95, enfin, oui. Les premières répétitions, et puis vous sortez de l'ombre, ou bien... Comme le loup sort du bois, c'est en 97 là, véritablement. Grâce à Radio Campus, dans un premier temps, qui est la première radio à avoir, qui a eu de l'intérêt pour nous. Et puis après, c'est Radio 21 qui, avec un passage chevronné, nous a permis, ça nous a ouvert d'autres portes. Et puis, on va prier aussi un peu pour notre chapelle, l'RTB Fliège, puisque vous avez gagné le concours L'Air du Temps, oui. Qui vous a donné de l'argent. Ici même, au Palais des Congrès. Vous avez eu le premier prix. Et c'est un peu grâce, je pense, à cet argent que vous avez pu faire un premier CD. Premier CD aux quatre titres. Oui. Voilà. Alors, il y a un truc tout mignon que j'ai surpris tout à l'heure entre Pierre et toi, en répétition. Vous étiez en train de discuter des qualités de musicien. Oui. Et j'ai entendu, je me trompe, j'ai entendu, oui, on n'est pas très bon. Il y a 16 oreilles qui traînent partout dessus. On n'est pas très bon comme musicien. Non, effectivement, on a du mal comparé à chaque fois qu'on va dans certains endroits, on se retrouve par rapport à des gens qui maîtrisent une technique, que ce soit au niveau de la guitare, au niveau du chant, de la portée de la voix. On est loin de faire le compte, mais certains y voient une certaine sensibilité, on préfère le penser aussi. Alors, j'ai surpris aussi une autre conversation. Il semblerait qu'ils aient eu plusieurs propositions, notamment de deux firmes de disques, et qu'ils aient refusé. Ça, c'est rare aussi. C'est vrai ? Mais dans la mesure où les contrats proposés étaient beaucoup trop contraignants, ça ne nous satisfait pas vis-à-vis de l'option professionnelle qu'on pourrait avoir. On n'a pas vraiment une option professionnelle vis-à-vis de la musique. Donc, effectivement, si on avait envie de faire carrière, peut-être qu'on se serait lancé dedans avec tous Donc ici, pour le moment, vous n'avez pas encore envie de faire carrière ?
Mais ce qu'on vient de voir ici, c'est le résultat d'un hobby, c'est ça? Oui, plutôt, oui. C'est extraordinaire quand même. C'est bien, c'est un bon résultat. Mais effectivement, on a peut-être d'autres opportunités. On verra où ça nous mène. On n'enfonce pas des portes et on ne va pas quémander partout non plus. Ah, une chose qui est très étonnante aussi, Pierre, tu as remarqué, c'est qu'ils sont polyvalents. Hein. Tu as la bassiste qui va jouer de la batterie, tu as la claviériste qui joue du violon, tu as le batteur qui passe à la basse. Mais encore une fois, ce n'est pas pour enfoncer le clou, mais c'est parce qu'on est très mauvais musicien et que si on permute de cette façon, c'est parce que l'un ne sait pas jouer telle partition. Ça, alors ça brouille les pistes. On ne peut pas dire « Ah, le batteur, il est mauvais », non, puisque tout le monde passe à la batterie. Mais non, mais je pense qu'il ne faut pas faire une... Allez, ce n'est pas une fixation, le mot est exagéré, mais la technique en musique, pour moi, c'est vraiment secondaire, voire tertiaire. Au début, la musique, moi, j'ai pas suivi de cours de musique, je suis autodidacte. Les quelques cours de musique que j'ai eu à l'école, à l'Athénée, c'était un fou furieux qui voulait à tout prix nous faire chanter « Cheveux au vent, tambour battant, allons vite à la rencontre du printemps ». J'avais 15 ans, j'entendais les Beatles à la radio, il y avait de quoi me dégoûter de la musique. Et alors, on nous apprenait à compter. 1, 2, 3. On passait son temps à compter. En fait, la musique, au départ, vu comme ça, c'est une mathématique. Quand ça devient un frisson, c'est marqué sur aucune partition. Le frisson, l'émotion et parfois certaines maladresses font partie du frisson. Et je veux dire, une de mes chanteuses préférées, moi, c'est Jane Birkin. On ne peut pas dire qu'à ses débuts, c'était Céline Dion. Je veux dire, mais ça n'a rien à voir. L'émotion était là. Et je pense que ça, ils l'ont compris. Et c'est le plus important. Alors, rapidement, vos influences. C'est plutôt anglo-saxon et effectivement au début on a commencé à chanter en anglais, mais comme notre vocabulaire ne dépasse pas la fin de réto, on s'est dit qu'il valait mieux, si on voulait faire passer des choses, il fallait abandonner cette idée. Et puis c'est seulement à ce moment-là qu'on a commencé à écouter certains classiques français, mais c'est plutôt d'une mouvance qu'on pourrait appeler la nouvelle chanson française et les groupes anglo-saxons qu'on appelait à l'époque de la noisy pop. On a tous écouté plus ou moins les mêmes choses. Des sons déstructurés, des choses comme ça. Vous avez fait la première partie de Miossec. Oui. Vous faites partie aussi de la même famille qu'autour de Lucie, Dominique A, etc. Ça c'est en principe, enfin on imagine. On ne le revendique pas, mais c'est évidemment un état de fait. Bien. On peut rêver hein, de faire une grande carrière. Je ne parle pas pour toi, évidemment, c'est déjà fait, mais en tout cas pour nos amis de Melon Gallia, bonne route. Merci. Et maintenant, je propose de rêver avec notre ami Pierre, avec un extrait de ton dernier album, Volte-Face, titre qui s'appelle « Si les femmes », qui est une ode. Une ode, oui, carrément. Mais je vais devoir chanter ça sérieusement. Parce que avec tous tes amis sur scène, non, maintenant. C'est vrai que bon, on se dit parfois, il y a tellement de conneries quoi, qui se passent, ça dure depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et quand même, sans vouloir parler de grands sentiments, de grandes phrases, c'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup écoutées pendant des siècles, et peut-être que si on avait pris un peu plus en considération la sensibilité, l'intelligence de la femme, il y a peut-être certaines conneries qui n'auraient pas été commises. Alors on peut rêver aujourd'hui, se dire que tout compte fait, si les femmes changeaient le monde. Mais je reconnais qu'il y a aussi de solitros chez les femmes, et que ce n'est pas tous. Hein. Bon, il y a quelques-unes qui sont quand même distinguées, mais bon, dans le mauvais sens. Enfin, voilà. Dans très, on peut rêver, comme tu dis. Dans Trêve, il y a Ève aussi. Donc dans Rêve, ici. Il y a Ève, et dans R, avec un R en plus. Merci Pierre. Tu vas rejoindre tes petits camarades. Et je vous propose donc une ode à la gent féminine avec Pierre Absat. Viennent et nous bénissent un peu de chaleur humaine.
par ce rêve. Voilà, c'était Pierre Absat qui nous rejoint. Pierre, après cette ode extraordinaire, je voudrais peut-être... Cette ode. Oui. Je ne parviens pas. Je vais te le copier 10 fois. Ode. Ok, ok. D'accord. Bon, allons-y. Une ode. C'est joli, hein, une ode. Oui, c'est magnifique. La ode du Père Noël. Hein. Dis Pierre, restons sérieux. Je crois que je me trompe pas si j'ai que tu as fait près de 200 chansons. C'est beaucoup, ça commence ça, à faire ça, oui. Et est-ce que je me trompe si je dis que dans ces 200 chansons, il y a à peu près 4 ou 5 hommages à d'autres personnages? Je pense à Gandhi, je crois qu'il y en a une sur Gandhi. Oui, tout à fait. Une sur Aide-moi, un autre homme. Brel. Brel, par exemple. John Lennon. Voilà. Et puis alors, il y a deux femmes. Aurore. Aurore et... Je ne sais plus, là. Si les femmes, hein, j'ai toutes mis ensemble, tu vois. On sait dans le public. Plus fort. Pardon. Grace Jones. Ah voilà. Oui. Bah, j'avais oublié. Explique-nous un peu justement, parce que tu as parlé des femmes ici, c'est vraiment deux femmes tout à fait différentes là. Oui, et quelle est la différence à ton avis? Bah, tu sais, toi qui vas nous dire. Il y en a une qui est ma grand-mère et l'autre pas. Devinez laquelle? C'est Grace Jones. Ta grand-mère, c'est Grace Jones. Je te félicite. Je te félicite. Je vais ta perspicacité. Oui, non, explique-nous pourquoi tu as fait un hommage à. Le sens de l'image, à Grace, à Grace Jones. C'est une bête de télé. Un hommage à ta grand-mère, Grace Jones. Ben parce qu'à l'époque, elle était quand même assez fascinante. Hein. Je veux dire, elle avait un look. On ne pouvait pas passer à côté, quoi, ça c'est clair. C'était superbement réussi. Et c'est vrai que, comme j'avais fait l'album Ligne Claire, quand je voyais son visage, comme il était découpé, dessiné, ses lèvres et tout, on aurait vraiment dit un dessin. Quoi. Oui, donc voilà. Ça, c'était l'attirance physique. Et l'image. Puis alors, c'est vrai, soyons sérieux, Aurore, c'est voilà. Ta vraie grand-mère. Non, c'est tout à fait autre chose. Et en racontant l'histoire de ta grand-mère, on raconte en même temps un peu ton histoire. Oui. Bon, elle est décédée maintenant. Et c'est une femme qui m'a marqué parce que, avec le temps, petit à petit, je me suis rendu compte du courage, de la pugnacité qu'il fallait pour se sortir de cette situation. En fait, donc, elle a quitté l'Espagne lors de la guerre civile en 1936. Son mari a été fusillée par les fascistes, les franquistes. Bon, elle s'est retrouvée seule avec 4 enfants. Donc, ça nous rappelle un peu les situations que l'on peut voir aujourd'hui, des gens qui venaient lors de l'ex-guerre yougoslave, de la Yougoslavie. Enfin bon, tous ces gens qui doivent tout quitter dans des conditions épouvantables, avec rien, une valise, 4 enfants. Puis, ils sont trouvés un peu par hasard en Belgique, voilà. Et toute sa vie est résumée dans cette chanson. Et à travers ça, une partie d'histoire de ma famille, bien entendu. Et je dirais, mon père, je profite de parler de mon père, qui est décédé également, mais il y a un point commun entre ma grand-mère et mon père, c'est que tous les deux, quand même, ont assez souffert de la guerre, puisque mon père, lui, a fait 2 ans de Dachau. Et disons que moi, à 20 ans, j'étais des MOP, et lui, à 20 ans, il était à Dachau. Quoi. Donc, à la fois, mon père et ma grand-mère ont quand même souffert un peu du fascisme. C'est pour ça que je suis peut-être toujours assez tendu quand on parle de ça. Ça laisse quand même des séquelles, même si on n'en parlait pas beaucoup à la maison, mais je suis quand même sensible à ça. Voilà. Il y a un domaine aussi où tu es un petit peu tendu, c'est sur la Belgique et l'unité de la Belgique. Là, je t'ai vu monter au créneau plusieurs fois. Oui. Mmh. Tu as déjà dit que si un jour la Belgique éclate, tu te sentirais très mal. J'aurais les boules, oui. Je trouve que ça commence à vraiment faire ringard bouffon, quoi.
Moi, ce qui m'énerve vraiment dans cette histoire, bon, on ne peut pas me reprocher d'avoir un peu de tendresse pour mon pays. Voilà, je ne suis pas fier d'être belge, je ne suis pas nationaliste, mais j'aime bien ça, quoi, la Belgique. Voilà. Je trouve ça plutôt sympa, le fait qu'il y ait deux cultures, deux langues, deux sensibilités. Je trouve ça très bien, moi. J'ai plein de copains en Flandre qui viennent régulièrement ici aussi. Bon, voilà, j'ai fait plein de disques en Flandre. Enfin, je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Non, ce qui m'énerve le plus, c'est que j'ai vraiment le sentiment, même la certitude, que les dés sont pipés. C'est déjà pratiquement décidé à l'avance. En fait, il y a quand même certaines personnes dans ce pays, il faut quand même être conscient, qui aimeraient bien que ça se passe comme ça, et qui petit à petit, tous les mois, toutes les années, à dose homéopathique, amènent des arguments pour essayer que, enfin, cette foutue Belgique se sépare. Et quand j'ai chanté un dimanche en automne, c'est vrai que je dis, il y a des gens en Flandre, en Wallonie, qui n'aiment pas beaucoup que l'on s'aime et que l'on s'apprécie. Ils vont tout faire pour que l'on se sépare. Moi, je ne marche pas une seconde à l'état d'arguments qu'on nous donne. Je crois que le fond du problème, c'est qu'il y a vraiment quelques personnes qui ont le pouvoir, qui sont décideurs ou qui le seront demain, qui souhaitent que la Belgique se sépare pour plein de raisons, d'égo, de comportement un peu d'enfant gâté, un peu plus de pouvoir. Je suis riche, maintenant je suis très riche, je voudrais encore être plus riche, je voudrais être encore le plus beau, le plus grand, le plus fort, le plus con aussi peut-être. C'est vrai qu'il y a des cons partout. Et alors, le pompon, quand même, c'est le comportement du Vlaamse Blok. Il y a quand même un gars là qui se pavane pour le moment dans un uniforme qu'il n'a plus le droit de porter, qui est francophone, et qui milite pour un parti d'extrême droite fasciste flamand, et qui essaye que les francophones votent pour un parti d'extrême droite flamand. C'est quand même incroyable, ça, non? Après la marche blanche, je trouve quand même que là, c'est plutôt une façon de cracher à la figure, quoi. Voilà. Voilà, je savais que tu allais monter au créneau, j'avais averti, et donc c'est fait. Maintenant, je te propose peut-être de changer de sujet, et on sait bien sûr que être chanteur en Belgique est une chose qui n'est pas facile, parce que le pays est déjà, on vient de le dire quand même, malgré tout économiquement divisé en deux, c'est la même chose pour le cinéma. Alors d'une manière un petit peu amusante, j'aurais que pendant un court moment, eh bien, on se mette dans la peau de quelqu'un qui veut réaliser un film. Alors ce futur réalisateur, doit pitcher son film. Pitcher, c'est un terme anglais. To pitch, qui dit qu'on doit aller vendre son film. Le vendre à qui? Au producteur, au futur technicien, au futur personnage, enfin comédien, acteur, etc. Et aujourd'hui, nous avons un pitcher. C'est Monsieur Pitch, tout simplement. Et quand un réalisateur, justement, pour vendre son film, veut faire son cinéma, il n'y a rien tel que le théâtre, via en tout cas un texte ici de Philippe Blasband et le comédien que je vous propose d'accueillir et d'applaudir, Thierry Wassege. Bon, avant tout, je veux vous remercier de m'avoir invité dans votre émission. Ça fait longtemps. Donc voilà, alors je vous raconte mon film.